Allô? Léopard? C'est que en fait, il s'appelle Léopard parce que c'est Léo qui part. Hey, comment ça mes petites sphères? C'est SNS. On se retrouve pour le vidéo de ce ne pas rire. Et aujourd'hui, ce sera une spéciale Gérisalto épisode 3. Ah, ça m'avait manqué. Au fait, si c'est toujours pas fait, suivez-moi sur les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Twitter. Je poste des stories et tout tous les jours, vous allez kiffer. Tout est dans la description mes sphères. Alors, pour appeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit de regarder la vidéo avec de l'eau dans la bouche et de ne pas rire. Comme ça, pour me dire dans les commentaires comment ça vous a rigolé. Allez, c'est parti mes sphères. Ah, 2022 est enfin parti. 2023 sera une grande année sans problème. Allô? Papy est à l'hôpital. Je peux savoir pourquoi? Bon, trois fois rien, je lui ai fait bouffer des pâtes. Comment il a fait pour aller aux urgences en bouffant des pâtes? Bah parce que c'est toi qui m'as dit d'aller lui faire des pâtes avec des lardons et de la sauce bien cramée, bien cancérigène. Je savais pas qu'il aimait les pâtes carbonisées. Des pâtes carbonara! Hey fiston! Quoi? Je me suis trouvé une nouvelle femme, je te présente Marie. Bonjour. Oh non, ne me dis pas que toi aussi tu l'as baisé. Mais non, pas du tout, c'est juste que... Mais quoi? Bon courage. Ben désolé chérie, je sais pas ce qu'il a mon fils mais... Ah t'inquiète pas, y a pas de problème. D'ailleurs je me posais une petite question. Tout ce que tu veux ma chérie. Ça fait une semaine on est ensemble mais je ne t'ai toujours pas posé la question et je voulais savoir... C'est quoi ton signe astrologique? Fiston à l'aide! Reviens ici! Alors c'est ça ta soirée, 3 salles, 3 ambiances? Exactement. Vas-y, c'est quoi les 3 ambiances de la soirée? Alors là-bas t'as l'ambiance un peu japonais mais c'est spécial hein. Intéressant. Là-bas, c'est quoi? Là-bas, c'est la salle des gens tristes. C'est tous ceux qui se sentent un peu seuls, qui se sont fait quitter ou juste qui sont tristes, quoi. Youpi. Voilà. Et la troisième salle, c'est quoi? Là-bas? Oh non, c'est la salle des gens bizarres, m'en parle même pas. Pourquoi? Ça fait une heure, ils arrêtent pas de mettre que des musiques bizarres, moi je comprends rien. Hein? Tu déconnes, c'est trop bien, c'est la musique de Friends! Ouais, mais c'est pas ce à quoi tu t'attends. Mais c'est trop bien! Je t'avais prévenu. Bon du coup, tu vas dans quelle salle? Ils ont niqué la musique de Friends! Papa, j'ai un problème. Si c'est encore un problème avec ta... Je veux pas savoir. Bon, c'était quoi le problème? Depuis le repas de Noël, j'arrête pas de bander en boucle. C'était il y a un mois Noël. Ah je sais, mais c'est de la faute de papy. Qu'est-ce qu'il a fait papy? Bah au repas de famille, il arrêtait pas de me dire « Allez, reprends un peu de Viagra ». Reprends du Viagra. Oui. Du Viagra. Oui. Du Viagra. Oui. Du Viagra. Oui. Du foie gras. Oui. Mmh. Oh merde! Papa, viens voir, il y a la voisine qui a balancé ses nudes sans faire exprès. Sans faire exprès. Ouais, j'arrive. Attention! Ça va? Ouais, ça va. J'en peux plus. Ça va, fiston? J'en peux plus, je te dis! Mais encore? On me harcèle tous les jours au téléphone. Et alors? Il y a un mec qui m'appelle depuis un mois tous les jours. Il fait une blague. Et il raccroche. Il commence à devenir fou. Il m'appelle! Laisse-moi faire. Allô? Léopard? C'est que, en fait, il s'appelle Léopard parce que c'est Léo qui part. Wow, je la connaissais pas celle-là. Je suis sûr vous non plus. Dites-le en commentaire si vous la connaissiez. Et il raccroche. Il commence à devenir fou. Il m'appelle! Laisse-moi faire. Allô? Léopard? C'est que, en fait, il s'appelle Léopard parce que c'est Léo qui part. Je peux être son ami? Non! Si un mec a un iPhone et qu'il l'a perdu, on peut dire qu'il l'a paumé? Salut. Oh, comment t'es trop chou. Ça va? Tu sais que t'es trop moignon, toi. Non, jure. Bonjour, c'est bien ici où je peux adopter un ami? Bien sûr. Quel type voulez-vous? Je veux l'ami le plus
toxique possible. Vous avez ça? Oui. Alors, pour ça, nous avons ce spécimen. Vous voulez une caractéristique? Ouais. Très bien. Alors, quand il joue au jeu vidéo, il dit easy à chaque fin de game, surtout s'il perd. Mm-hmm. Vous pouvez être sûr et certain qu'il vous dira que vous n'avez pas de goût si vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt que lui. Tu peux être sûr qu'il refusera toutes tes invitations à tes soirées parce que, on le sait très bien, une soirée sans alcool, c'est pas une soirée. Oh. Pour lui, un végétarien, ça mange des graines. Oh. Attends-toi à l'entendre dire que les Marseillais et les Ch'tis, ça pue la merde. Par contre, ça va pas l'empêcher de faire une story où il partage toute sa journée juste après. Pas mal. Si tu as des potes filles, fais attention parce que pour lui, un bout de téton qui pointe, c'est une provocation. T'as intérêt à avoir un paquet de clopes au rap parce que si tu ne lui en prêtes pas, ça veut dire que tu es un radin. Par contre, pas touche à ses chips. C'est à lui, il a payé avec son argent quand même. T'as pas une clope? Regardez des pranks du style je trompe ma copine en live, c'est rigolo, hein, on sait tous que les blagues sur les tromperies c'est drôle. Il t'attribuera un âge mental en fonction du jeu vidéo auquel tu joues, je sais pas comment il fait. Hey, tu joues à Minecraft? Oui. Bah t'as 8 ans. Oh. Et enfin, pour finir, si tu as gagné contre lui à un jeu vidéo, t'as triché, c'est obligé. Parfait. Eh ben je le prends. Très bon choix. Au revoir. Au revoir. Eh, hey, t'as fait quand ta première fois? À 18 ans. Eh ben moi je suis mieux. Tu te souviens en primaire, les balles en mousse? Surtout quand elles étaient humides et qu'on se les prenait dans la gueule. Ah ouais, c'était fou. Tu te souviens des Chambala? Tout le monde voulait ses bracelets à l'époque. Ah ouais, à l'ancienne. Tu te souviens de Flappy Bird? Tout le monde à l'époque voulait y jouer. Ah mais ouais, je l'ai poncé ce jeu. J'étais pas très bon à ce jeu. Tu te souviens à l'époque aussi, ce gamin à lunettes avec un pansement sur l'œil? Tout le monde l'a oublié ce gamin. Mais oui, à tous les coups, il s'appelle Thomas, gamin à lunettes. Moi, les mecs à lunettes, je les frappais. Mais c'est immoral de faire ça, t'as pas le droit? Bien sûr que j'ai le droit, j'ai 58 millions de puissance sur Rise of Kingdom. Bon mes petits CM1, vu que vous avez été gentils avec moi aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Trop cool, ah, trop bien. Alors, c'est l'histoire... d'un oiseau qui aimait un peu trop la cocaïne, la cocaïne. Non, c'est pas ça. C'est l'histoire... mais non, c'est l'histoire... de ma vie. Bon, vous arrêtez? C'est l'histoire de trois petits cochons qui mangeaient trois produits laitiers par jour. Quand tout à coup... Mais non! C'est l'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris! Histoire de Corneille et Bernie. C'est qui, Bernie? Bon, bref, je peux la continuer mon histoire ou pas? Ok, c'est bon, on arrête. Allez, on te laisse continuer. Promis, on t'interrompt plus. C'est l'histoire... d'un blanc, d'un noir et un arabe. Oh mais non! C'est quoi cette connerie encore? If you see another person that looks identical to you, run away and hide. N'importe quoi. Bonjour. Vous me ressemblez vachement. Oui. Vous me ressemblez... beaucoup même. Oui. Mais ça veut dire que... Toi aussi quand tu pètes ça sent le brebis? Ouais. Papa, je vais aller faire les courses, t'as fait une liste? Ouais je l'ai faite. Tu peux me dire ce que t'as écrit? Alors, du jambon, du fromage, de la mayonnaise, des cornichons, du pain de mie, des nuggets, du cheddar, des chips, des haricots verts, du beurre de micelle, des carottes, des pommes, des yaourts, des saucisses, du jus de fruits, du terreau, un minigun, des serviettes hygiéniques pour moi, une boule de bowling, une secrétaire sexy, une patate avec des bras, Will Smith, un morceau de météorite, une batte de baseball, bleu de préférence, un bébé hérisson, autrement dit un choupisson, l'intégralité des tomes de Boku no Pico, un petit frère de 30 ans, une chemise avec des flammes, un morceau d'uranium, le squelette de ma grand-mère, Théo Babac, une machine à remonter dans le temps, une girafe, une figurine pop à mon effigie, une boîte à pizza sans la pizza, de l'eau non potable, un gréviste, une paire de chaussures Buzz l'éclair, une autre secrétaire sexy, du lait maternel, des lunettes qui voient à travers les vêtements, un sac Chanel, une babysitter. Pour s'occuper de moi, un PC à 5000 balles sous Windows 7, un chapeau melon, une poupée Barbie, un porte-avions, un cow-boy nu, un corbeau nu aussi, des toupies Beyblade, un avenir prometteur, une mort pas trop douloureuse, et que mon ex revienne. Cette grosse pute. Bah quoi? Elle a un problème ma liste? Tu prends du beurre demi-sel? Bah moi je préfère. Mi-temps mes sphères, j'ai rigolé une fois. Bernie c'est celui qui garde le chien et Corneille c'est le chien. Voilà, j'avais trop envie de le dire mais je pouvais pas avec l'eau dans la bouche. Qu'est-ce que je kiffe ce dessin animé. Et vous, vous aimez quoi comme dessin animé mes sphères? Dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi combien de fois vous avez rigolé. Mais tu commences à me casser les couilles, arrête de camper fils de pute. Oh putain, tu veux pas arrêter de gueuler un peu là? Tous les jours tu joues aux jeux vidéo et tu gueules, tu veux pas arrêter à un moment donné là? Alors au lieu de gueuler pour rien comme moi, tu peux juste me demander mon casque à réduction de bruit. Ton casque à réduction de bruit? Ah c'est le casque qui me permet de ne plus entendre ce que je veux. Bah merci beaucoup, parce que je commençais vraiment à en avoir ras le cul de t'entendre jouer. Moi tu vois, je suis plus dans l'ignorance que la violence. C'est le meilleur moyen de pas s'attirer d'ennui. Attends deux secondes, ton signe astrologique, c'est Verseau. Bah ouais. Ah c'est bizarre, parce que t'as le caractère d'un bélier.
D'accord. Donc là, le poisson, il est en train de cuire, et après, on va s'occuper du dressage. Bah quoi? Non, rien, c'est juste que... Tu cuisines de la manière d'un capricorne, c'est... Ça me fait rire, c'est tout. Ouais, ok. Je pense plutôt me prendre un kebab plutôt qu'un taco ce midi. Ah, caractère de vierge, ça leur ressemble. Stop! J'en ai marre que tu catégorises tous mes faits et gestes par un signe astrologique alors que n'importe quel signe astrologique peut faire pareil qu'un autre. Tu veux savoir un truc? J'adore capturer et séquestrer des gens et les enfermer dans ma cave pour ensuite les broyer et les donner à manger à mes cochons juste après. Ces cochons qui seront pris en photo par des boîtes d'agences de droits d'auteur et qui du coup seront utilisés par tous les youtubeurs de la planète. Et tous ces youtubeurs ne sauront jamais que les photos qu'ils ont prises, c'est des putains de cochons qui bouffent des gens que j'ai séquestrés et broyés. Alors, c'est quel comportement ça? Bélier, vierge, cancer? Aucun, c'est juste un comportement de connard. Bah ça, tu vois, c'est typique des Gémeaux. Eh, hey, fiston. Waouh, t'as été en soirée, toi, hier? Ouais, j'ai bu comme un débile, je me souviens même pas de ce qui s'est passé. Je vois ça. Le seul truc dont je me souviens, c'est qu'au réveil, j'ai eu le droit à une pipe de je sais pas qui, parce qu'il faisait noir, mais les réveils comme ça... Mais t'étais chez Benoît? Sûrement. Dans sa story Instagram, on te voit toi, lui... Bah en fait, y'a que vous deux. Y'a que vous deux. Elle est pas mal celle-là. T'as été en soirée toi hier? Ouais, j'ai bu comme un débile, je me souviens même pas de ce qui s'est passé. Je vois ça. Le seul truc dont je me souviens, c'est qu'au réveil, j'ai eu le droit à une pipe de je sais pas qui, parce qu'il faisait noir, mais les réveils comme ça... Mais t'étais chez Benoît? Sûrement. Dans sa story Instagram, on te voit toi, lui... Bah en fait, y'a que vous deux. POV, ton pote Max a découvert un talent caché incroyable. Mec, j'ai découvert un skill de nouvel an. J'ai débloqué le skill du yap, le yap de chien, ok? Ah! T'as vu? Quoi? Mais comment tu fais? Parce que je m'appelle Max, je suis un doggo. Et dingo dans Disney. Non. Bah regarde, le fils de dingo, s'appelle Max. Le chien dans le Grinch s'appelle Max. Battle Royale, que tu préfères? Crevette au moule. Je me sens persécuté. Voldemort ou Dark Vador? What? Allez, au revoir. Mais moi, c'est Harry Potter, c'est un scandale. Pâte coquillette ou les pâtes papillons? Tout le monde est contre moi. Popcorn sucré ou salé? Putain, sucré, largement. Salé. Pâte carbo ou bolognaise? Ah oui, c'était direct. Ah, mais vous êtes pas des vrais Italiens. Mais je suis pas italien. Mayonnaise ou ketchup? Oh, mais quoi? C'est dégueulasse. T'as dit c'est dégueulasse mayonnaise et t'as dit mayonnaise? Arrête. Mayonnaise, t'es par là? Je me barre alors. Victoire de soleil nocturne. C'est moi qui ai gagné. Ah, ça me casse les couilles. Qu'est-ce que tu as? J'ai mal aux omoplates. Ah merde. Ah non, mais avoir les omoplates bloquées, y'a rien de plus chiant. Ah ouais, tu dis que c'est chiant parce que dans omoplate, y'a homo. Bah non, c'est juste que c'est chiant. Non mais explique-moi en fait, je comprends pas là. Je suis pas sûr de bien comprendre non plus. Saviez-vous que le prénom le plus récurrent chez ceux ayant le quotient intellectuel le plus bas est Jérémy? Ça va, tu le vis bien? Bah ouais, je me sens pas visé, hein. Je suis pas un oiseau de toute façon. Mais il parlait pas d'oiseau, il parlait de quotient intellectuel, de QI. Ben justement, c'est les oiseaux qui font QI. Tu réfléchis pas. C'était donc ça la technique? Il suffit juste de se taper la tête avec un objet pour pouvoir bien chanter. Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Shérif, faut que je te dise un truc, mais ça va pas te... Oula! En gros, sa meuf, elle chante mal. C'était donc ça la technique? Il suffit juste de se taper la tête avec un objet pour pouvoir bien chanter. Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Shérif, faut que je te dise un truc, mais ça va pas te... Oula! Eh oh! Eh oh, ça va? Oh, oh! Ah, désolé de t'avoir frappé, je voulais essayer un truc. Mais du coup, tu voulais me dire quoi? Je voulais te dire... Je t'ai trompé avec ton père. Cool. La cardiophobie, qu'est-ce que c'est? Chérie, écoute ça.
Toi qui me suis, moi qui te suis, ensemble nous vivrons sous un toit qui nous unit. Aime-moi s'il te plaît, vis avec moi sans regret. Ma vie sans toi est perdue si tu me lâches à jamais. Je ne vois que la hauteur de ta splendeur, garde-moi près de toi, et je te donnerai mon cœur. Oh, mais qu'est-ce que j'ai foiré encore? Putain, mais fallait dire mon pancréas, pas mon cœur. Et pourquoi? Parce qu'elle a la cardiophobie, et la cardiophobie, c'est la phobie du cœur. Merde! Hey, mademoiselle, tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans un Micromania. Oh, moi aussi. Et tu aimes quoi en général? J'aime bien les mangas. Putain, moi aussi. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. J'aime bien le pain. Eh ben, moi aussi. J'adore la chantilly. Moi aussi. Doctor Who est ma série préférée. Moi aussi. Je déteste les oignons dans le kebab. Moi aussi. J'ai un poulpe vert. Moi aussi. Sonic est mon personnage de jeu vidéo préféré. Moi aussi. Je pisse sous la douche. Moi aussi. J'ai un énorme chibre. Moi aussi. Putain, mais pourquoi? 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 Mais pourquoi quoi? Pourquoi tu es beau? Générique. Papa, aujourd'hui, on est tranquille. Laisse-moi, je joue. Hein, pourquoi? Maman a disparu. Où? Comment? Et pourquoi? Dans le jardin, en tombant d'un précipice, et parce que tu m'as demandé de le faire. J'ai pas compris pourquoi tu m'as demandé de créer un précipice. Je suis pas sûr que ça puisse t'aider à ne plus avoir faim. Bah c'est sûr que ça va pas être très utile un précipice contre ma faim. Puisque de toute façon, moi ce que je voulais de base, c'était du pain d'épices, maman! POV, tes potes veulent une glace. Glace? Bah ouais, vas-y. Vas-y, alors. Qu'est-ce que... Tu veux une glace? Oh putain! Ok, à tous ceux qui verront cette vidéo, j'ai une question. Que ce soit une image, une vidéo, une anecdote, une histoire, bref, ce que vous voulez, c'est quoi votre plus gros flex? Je commence. Cette vidéo date d'il y a 4 ans et j'en suis encore tellement fier. 3, 2, 1. Do you know the way? La puissance. L'avion, ça fait lever les yeux. Les femmes, ça fait lever les yeux. Tu t'es gouré dans les paroles, je crois. Non, si. Non, parce qu'aujourd'hui... Moi je suis à 90 et je fais 1m63 et t'as des meufs qui sont nées il y a 2 semaines et elles font 1m95. Ouais, ça me saoule, c'est pour ça que je dis qu'il faut lever les yeux là pour regarder, ça me saoule. Et la QL. Voilà mes sphères, c'est terminé, j'ai rigolé 3 fois. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un épisode de Gérisalto, c'est sûr. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles. Ciao mes sphères.